Bon matin à toutes et tous. Eh bien, nous nous retrouvons pour le message intemporel de ce jeudi 24 octobre 2024. 24-24. Allez voir peut-être la signification des nombres 24. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite pensée de ce matin pour ce 24 octobre. Pulsion. Apprendre à maîtriser ses pulsions et ses excès est un début de sagesse. Ah oui, évidemment, la sagesse, on ne l'acquiert pas comme ça. La sagesse, on l'acquiert au fil des années. Il faut avoir du vécu pour acquérir cette belle sagesse. Allez, voilà, j'ai pigé la carte numéro 38. Si une situation te fait peur, bien on t'invite de ne pas la suivre, de ne pas la fuir, excusez-moi. Regarde-la, avance doucement. Il arrive souvent que l'ombre, soit plus grande que l'objet de ta peur. Rien ne peut t'empêcher de le saisir et de l'admirer, l'ombre reste irréelle. Alors, petit conseil de cet oracle, côté finance, encore une fois, vous avez le libre arbitre et vous savez ce que vous vivez. C'est juste, voilà, si ça vibre avec vous, bien, prenez ce qui vibre. Et si ça ne vibre pas, ben, passez votre chemin. Voilà. Côté finances, si vos finances vous causent un problème, ne fuyez pas la situation. Vous savez, vous cachez derrière votre peur, ça va vous laisser dans le noir. Et moi, je vous invite peut-être à prendre contact avec votre banquier. Osez prendre contact avec votre banquier, avec la personne, et pour trouver une solution qui sera adéquate à votre problématique. Côté professionnel, si vous êtes en activité, c'est que vous avez su convaincre votre employeur de vos capacités. Changez peut-être votre façon de vous percevoir. Et vous savez, une goutte de pluie n'annonce pas toujours un orage, n'est-ce pas? Donc, peut-être, changez la façon dont vous vous percevez. Côté sentimental, afin de ne pas vous tromper d'histoire, il vous faut prendre le temps de ne pas mélanger les échos de passé avec votre présent. Soyez fluide dans vos réflexions. Chaque individu est unique et ne ressemble pas à un autre. Cherchez ce qui vous dérange. Oui, cherchez ce qui vous dérange, parce que ce qui vous dérange avec cette personne, c'est vous êtes en... Ça vous concerne à 1%. Vous êtes en miroir avec cette personne. Et ce qui vous dérange, qu'est-ce qui me dérange chez la personne? Il y a un pourcentage de vous. C'est un pourcentage de vous. Lorsqu'il y a quelque chose qui dérange chez une personne, nous sommes en relation avec cette personne et nous sommes en résonance. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous sommes en résonance, ça résonne. Donc, pourquoi ça me dérange? Il faut revenir à vous. Pourquoi ça me dérange? Et alors, surtout, écoutez, ce que vous avez vécu avec avant, ne remettez pas ça sur la personne d'aujourd'hui. Je pense que chaque être humain
est différent. Et ce n'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience avant celle-ci que vous devez remettre la mauvaise expérience sur cette personne. Ou alors c'est que vous n'êtes pas prêt à avoir cette relation avec cette personne. C'est que vous n'avez pas cheminé pour fermer cette porte avec votre ancienne votre ancienne relation. En tous les cas, c'est qu'il y a encore du travail à faire et que vous êtes peut-être encore dans cette colère, dans cette rancune. Donc il y a encore un cheminement à faire là-dessus. Je termine par un petit conseil spirituel: ne cherchez pas la lumière, elle est en vous. Gardez votre humilité, gardez votre amour et votre croyance en eux. Comme en vous, c'est quand vous perdez confiance que votre peur grandit. Et c'est vrai, c'est lorsque on perd confiance qu'on a peur. Lorsqu'on a confiance, on n'a pas peur. Donc voilà, à méditer, à penser, belle réflexion pour celles et ceux que ça parlera aujourd'hui. Et je termine avec l'Oponopono. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors, eh bien, lâchons prise, n'est-ce pas? Et faisons-lui confiance. Beau message pour terminer cette journée. Je vous souhaite une excellente journée. Puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. À demain.